Voilà. Donc là, il nous reste plus grand-chose à faire. Je vais aussi manquer de redstone. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. On est d'accord. Ici, 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 ici. Et on va... Il faudrait qu'on les raccorde. Quoi, tu charries, il fait pas déjà nuit. Passe trop vite. Et je sais pas ce qu'est ce liquide là, ce fameux liquide. Faudrait que je voie qu'est-ce que c'est. Alors, redstone, des blocs, du charbon. Déjà avec ça, on devrait pouvoir commencer à avoir des choses intéressantes. Ensuite, une fois qu'on aura ça, on va commencer à s'attaquer au prochain mode qui sera foresterie pour pouvoir se générer justement du charbon à volonté et donc être tranquille à ce niveau-là. Donc du charbon, on va éventuellement générer d'autres parce qu'il va, ouais. Bon, on verra avec un stack déjà, on aura de quoi faire. Ça, de la redstone, j'ai dit. Un levier, donc il va nous falloir un peu de cobble. Il va juste me falloir un levier. J'ai 4, hop, ça nous en fait 16 pour chaque. Et c'est tout, hein. Bah, juste c'est se faire davantage de coffres. On va monter. Alors normalement les wooden pipes maintenant dans cette nouvelle version là il n'y a plus besoin de les alimenter en redstone. Avant il fallait les alimenter en redstone pour qu'ils puissent expulser. Apparemment ce n'est plus le cas. Ou alors c'est simplement parce que l'aquairie elle expulse d'elle-même les items. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de remettre un engine ou une gate sur le pipe. Oups, je tombe dans la flotte. Ok, donc ça... Quel con! Oh le petit salopard. Bon, ah oui, puis évidemment, à chaque fois que j'appuie sur échappe, maintenant, mon inventaire se réinitialise. Ce qui est un petit peu chiant. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas très grave. Allez, en fait, j'ai qu'à appuyer sur E au mieux d'appuyer sur échappe. Voilà. Là, si j'appuie sur échappe, ça réinitialise. Ok, on a ça, on a ça. Et normalement, si j'active, on va pouvoir avoir notre curie qui va se mettre à tourner. Voilà, elle est lancée. Je me tire de là avant de me faire littéralement violer par les mobs. Ouais, puis lui, il balance des éclairs, je crois. Oula, le framerate, le framerate. Ok, je suis en train de me faire. Je vais me faire poutrer la tronche. Et je rentre à ma maison. Ok.
Heureusement, il n'y a pas le mode qui est super chiant au niveau de la nourriture. Il y a un mode qui est sorti. Si vous suivez notamment Hyper sur Agrayan Skies, vous savez de quoi je parle. Je n'ai plus le nom du mode en tête. Mais voilà. Bon, bah écoutez, on aura déjà pas mal de choses. Ah oui, des coffres. C'est vrai que j'avais dit que j'en remettrais là-haut, mais. Mais bon, pour le moment. F7. Si je fais F7 normalement, là par exemple ça va pas. Donc là vous voyez, ici par exemple il y a des mobs qui peuvent spawner et ça me plaît pas. Donc charbon. Et torche. Juste avant, on va commencer à vider tout notre surplus. Ça va être notre coffre à merdier. On le corrigera plus tard. Voilà, ça c'est tout ce qui a été utilisé, mais voilà. Bon. Voilà. Je laisserai ce mode constamment activé, hein. Désolé si ça vous plaît pas. Mais voilà, juste je vais. Voilà. Puis reposer un coffre ici. Ok, bon donc ça, ok. Ok, foresterie. On va s'intéresser un petit peu à foresterie. Je sais que beaucoup s'en servent, mais alors moi, je m'en suis pas encore servi. Je sais pas du tout comment marche ce mode. Ok, c'est bon, c'est revenu. Donc j'ai fait quelques petites recherches. J'ai un monde en mode créative à côté pour faire des tests. Donc je vous ai dit une bêtise. Je ne n'utiliserai pas Forestry. J'utiliserai Mindfactory Reloaded. Pour les arbres. Le problème de Mindfactory Reloaded, c'est qu'il va nous falloir du rubber. Il va nous falloir donc du caoutchouc. Et que actuellement j'en ai pas. Et étant dans un biome neige, je n'en aurai pas. Donc il va falloir que je parte. Ouais, bien sûr, j'ai oublié. Voilà, bon, ça fait rien. Il va falloir que l'on parte, ou alors avec un peu de chance j'aurai là-bas, mais ça m'étonnerait beaucoup. Ok, j'ai l'iron ore ici. Pour le moment on va le laisser se recharger. Alors pareil, normalement les items on est censé les voir passer, puis là on les voit pas. Tant mieux, ça réduira le lag. Quoi qu'il en soit, on va partir par là. On va voir si la chance nous sourit. Alors je sais que Magical Forest. Taiga, Magical Forest, je sais pas. Je sais pas. On va bien voir. Donc si on trouve du rubber, on va courir un petit peu quand même. Rubberwood, oh putain j'y crois pas, je tombe dessus direct. La grande chance. Oh putain. Allez, fais-moi rêver. Oh, j'y crois pas. Rubberwood, le premier arbre que j'essaye, Rubberwood, je trouve. Allez, hop, ça c'est fait. Donc The Main Factory Reloaded, vous pouvez le voir affiché en haut. Et j'ai déjà du rubber. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Ok, alors, juste que je dise pas de bêtises. Donc du raw rubber, l'utilisation. Donc ça peut se servir avec des sticky pistons, ça peut servir à ça, mais ça on s'en fout.
Ouais, non, mais ça, je m'en fiche en fait. Juste du rubber, je veux le transformer en plastique. Comment je peux faire avec le. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, je peux le transformer avec. Ah, oui! D'accord, sinon c'est en faisant. Ah oui, non, mais c'est l'extracteur, ça. C'est pas le. Il va pas falloir que je fasse un extracteur quand même. Ce qu'il me faut, c'est du. Attendez, je vous montre. Pour le planteur. Et certainement pour le harvester également. Donc, planteur. Voilà, il me faut du plastique sheet. Ça se craft comme ceci, et le raout plastique, on l'a à partir de rubber. Et de rubber bar. Le truc, c'est comment j'obtiens. Ah, voilà. Ok, j'obtiens de la rubber bar simplement en faisant chauffer les roues rubber. Aussi simple que ça. Je veux juste récupérer les pouces. Tant que j'y suis. Donc oui, donc et Pierre en a parlé dans une de ses vidéos il y a un peu de temps, mais voilà. On a autant de chances d'obtenir des pousses de sapling en laissant tomber en laissant tomber qu'en laissant voilà qu'en. Donc ok, donc on va aller en rapprocher un petit peu. Ce serait sympa si on pouvait faire planter justement des raouts directement. Ça c'est quoi ça? Ouak, oh là là, c'est ce qu'il me fallait, des ouak. Allez hop, il va. Ouais, par contre ils sont grands, hein, vache. Ils sont grands, mais en même temps. En même temps, j'en ai besoin. Allez. On va juste prendre un petit peu de d'oac. Je vais. Je couperai plus tard le reste. Quand. Peut-être hors caméra, j'irai récupérer. J'irai récupérer le reste du bois. Et ça, il m'en fout, c'est pour faire des. Des barrels, si je pouvais faire des barrels de. Comment, des barrels de oak, ça serait absolument génial. Attendez, je cherche à monter en réalité, hein. Hop. Ah oui, c'est parce que je suis en zombie. C'est pour ça que ça fait un bruit de zombie. Je suis très très pressé. Voilà. Ah, moi je suis métamorphosé. Très très pressé de choper une chauve-souris. Si je croise une chauve-souris, pouvoir me transformer en chauve-souris, ça serait génial. C'est une liberté totale. Ok, là on a du liquide noir, je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être de la. Je sais pas. Ouh. Ouh, intéressant. Sauf que je suis paumé. C'est par là. Ah, génial. Ah, ces trucs-là, c'est génial. J'en récupère un petit peu. C'est de la nourriture. C'est
C'est la nourriture, ça. C'est... Ça se mange normalement. Au moins avec ça, on est sûr de pas mourir de faim. Je vais le faire avec ça quand même. Parce que ça pousse à une vitesse phénoménale. À ce que j'ai compris. Et c'est assez nutritif. On a des failles. On a des failles. Ça continue à tourner. Donc c'est parfait. Bon, on arrive au bout du charbon par contre. Voilà, bon, on arrive à... Ok, bon, on arrive à récupérer pas mal de trucs. Alors... Ok, ici... on va essayer de les espacer un petit peu. 1, 2, 3, 4... Allez, tous les 5 blocs. Allez. Semble pas mal. Je n'ai pas de poudre de creeper, enfin de d'os. Dommage, il y avait un squelette dans le coin, mais il était près du. Bon, ça fait rien. On va voir si on peut récupérer encore un peu de charbon. Au pire, on ira recouper des arbres à la nuit prochaine. En tout cas, c'est très bonne nouvelle. On va commencer pouvoir, on va éventuellement commencer à refaire un planteur et un harvester. J'ai pas vu ce qu'il me fallait encore pour le harvester, mais je sais comment ça fonctionne un petit peu. Ça et puis à voir aussi comment les alimenter en énergie. Alors. Allons-y, le planteur. Alors déjà, il va falloir qu'on fasse cuire le... Hop, ça je le récupère. Il va falloir cuire le rubber. Pour faire des rubber bars. Ça, c'est bon. Du charbon, on va devoir réquisitionner un petit peu de charbon. Pour notre... Comment? Pour le... Pour le... zut, comment ça s'appelle le... Voilà, vous m'avez suivi. Bon, alors ensuite, est-ce qu'on a encore du bois qui traîne? Oui, on a ça. Donc pour nous faire des Stone Labs. Et on a du oak wood. Me dis pas qu'il faut des comment aussi des oak de machin là, parce que sinon oh, c'est pas possible qu'il nous faut ça quand même pour faut que ce soit tout en oak. Tu dis conne là? Bah non. Bon, bah ok. Et ben comme ça au moins on aura le on aura la cobble vraiment d'un côté. Alors est-ce qu'on a cet objet qui s'appelle le dol il me semble que ça s'appelle le dolly. Comment ça s'écrit? On n'a pas l'air de l'avoir. Non, on n'a pas l'air d'avoir le dolly. Le dolly, dommage, ça nous aurait bien arrangé de l'avoir. Mais on peut avoir... on peut avoir ça. Comment on peut...
peux le crafter, le fameux portal gun. Le portal gun, on l'a. Ok, miniature bien cool. Il nous faut de l'obsidienne, de l'iron, du diamant, de l'under pearl dust, une étoile du nether. Ok, d'accord. Et donc l'under pearl dust, on l'a en brûlant de l'under pearl. Et ça nous en donne 8 d'un seul coup. Donc ok. Ça c'est quoi ça? Portal spawner. Je sais pas, apparemment c'est un truc pour activer des portal guns automatiquement. Ok, ben on va le barrel, ce serait intelligent, ce serait de le poser là-haut pour y stocker notre cobble. C'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Allez. De toute façon, après on va générer du charbon de bois obligatoirement. On va prendre l'épée en main quand même parce que là il fait nuit. Un squelette, j'ai besoin de toi, viens là, viens là, créature démoniaque. Merci beaucoup. Et comme ça en plus je peux me transformer en toi. Tu m'as laissé un os, c'est génial, je te remercie. Merci de ton offrande. Un petit coup d'F7. Je sais que ça va être un petit peu chiant au départ, mais il va me le falloir pour après sécuriser un petit peu ma base. Ok, on n'a plus de charbon. On va remettre un petit peu. Apparemment j'ai récupéré un brain. Ok. Et ok. Et votre bouffe à vous, elle peut pas servir de carburant, juste pour savoir. Non, je pense pas. Putain, mais combien c'est con? Ou toi? Je sais que tu fais mal, toi. Bon, encore ça va. Ok. Ça, c'est juste pour la régène. Allez, toi. Ouais, merci. Allez, toi aussi. Non, bon. D'autres squelettes s'il vous plaît, parce que les zombies moi je veux bien, mais et là on a le pire du pire. En fait j'ai eu de la chance avec le Rubberwood, je reviens toujours pas. Bon, on va casser un coffre. C'est déjà plein. Simplement. Ah d'accord, ok. Et puis le. Ok. Ah non, non, c'est pas ça. Ça c'est du. Ça c'est du gravier, ça. Moi j'ai de la cobblestone.
Voilà, comme ça au moins toute la cobble elle part directement là-dedans. Ouais, enfin en partie en fait. Ah, tout pas. Tout part pas dedans. Je fais que diviser. Il nous faudrait un diamond pipe en fait. Qu'est-ce que tu fais là toi? Bon. Toi, résultat. Tu vas te réduire un petit peu et... laisser ça normalement c'est bon, je gérerai un petit peu, mais bon ça voilà, c'est juste histoire que voilà. Ok, on a un petit peu de water shard, on a ça. Bon bah on va commencer à récupérer un petit peu, hein. Dès que ce sera dans les couches un peu plus profondes, ce sera plus intéressant. Déjà commencer à attaquer un petit peu. Dès que ça va nous choper du charbon, déjà ça va être plus intéressant. Parce qu'il pourra, on pourra l'alimenter avec. Bon, quoi qu'il en soit. J'ai pas ma hache sur moi, hein, non. Malheureusement. Ok, bon. Pareil, mon épée est presque morte. Qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que l'on peut faire? C'est pas le genre de question qu'on a à se poser quand on est en Minecraft modé. Donc, notre fameux harvester. Non. Oui, tiens, on va regarder rapidement un œil au harvester comment. Donc pareil, du plastic sheet. Les machine frame, on peut les faire, c'est pas un problème. Et shears aussi. De l'or, on en a. De la redstone réception coil, on peut en avoir, c'est assez facile à faire. Invar axe. Ah merde, de l'invar. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, de l'invar, il va nous falloir une smelterie. Je connais pas d'autre manière de l'avoir, et la smelterie ça va être assez long à avoir. Ok, donc en fait le ouais, ça va pas être pour tout de suite la ferme foresterie. Dommage parce que c'est vraiment ce qui peut nous filer du charbon assez rapidement. L'invar de l'invar, je sais même plus comment on fait. Est-ce que j'ai au moins la smelterie? Ouais, je l'ai. Avec du grout. Il va me falloir de la craie. Okay. Donc il va falloir que j'explore les océans. Voilà, bon. Alors. On est d'accord que de l'invar, de toute façon, on n'en a pas. Bloc de silver, ouais. De l'aluminium.
Je sais même plus comment on fait de l'invar en fait. Ça, il me semble de tête que c'est avec du ferrou, c'est. Je crois que c'est du tin ou du lead, je sais plus. Je sais comment on en fait, enfin à quoi ça sert, merci. Sinon je disais comment on peut en avoir de. Ouais, des invars, non. Pas ça, mais. Voilà, en faisant cuire de l'invar, oui, en faisant cuire de l'invar blend, et ça, on en a. Non. Donc, il va falloir qu'on fasse de la des smelteries. Par contre, même dans la smelterie, je sais plus comment on. Ah oui, voilà. Ok, un pulvérisant. Voilà, induction smelter. Donc c'est avec de l'iron dust et du ferrous. C'est ça, c'est iron et ferrous. Bon, eh ben on va partir sur une smelterie alors. Pas trop le choix. Et pour la smelterie, j'ai dit que c'était. Smelterie, il va nous falloir des charrettes de briques. On a avec du groot, et le groot c'est du sable, du gravier et de la craie. Du sable on en a là-haut, du gravier on en a ici. Sable, gravier et craie. Donc on va remonter avec du gravel. On va remonter avec beaucoup de gravel. Et on a une table de craft là-haut normalement, si tout se passe bien. Dans le doute, on va en refaire une. Et on va la transformer en crafting station. Mais normalement, on en a une là-haut. Ok, et ben on va commencer par ça, par une smelterie. Il m'avait pas donné d'Enderman. Ouais, non. Hop, on va manger aussi un petit peu. Voilà, comme ça on est toujours à fond. Bon, eh ben on va progresser là-dessus. Bon, bah, en route pour la smelterie, une fois qu'on aura l'invar, on aura le. Quoique le planteur, on pouvait déjà le refaire. Putain, il pleut. Enfin, il pleut, il neige. Pour accélérer, j'ai eu énormément de chance. Il a neigé. Dès que je me suis rapproché de la plage, il s'est arrêté de neiger. Hop, j'ai récupéré le surfing. Lui, il a poussé, c'est un bon signe. Rediminuer le son pour éviter le bruit de la pluie qui est assez agaçant. Est-ce qu'on a les mufflers? Si on a les mufflers, ce serait sympa. Ouais, on a les mufflers. Qu'on a avec du son de fleurs et de l'eau, et le son de fleurs ça se fait avec de l'eau de. Ok. Bon, ça c'est pas encore très très difficile à réaliser. Mais ça serait sympa juste pour échapper au bruit de la pluie quoi. Ok. Et on va explorer pour de la craie. On en a là. Ça. Hop, je commence déjà à me noyer. Merci. Ok. Alors, le
la table de craft. On va faire ça ici. Donc on a du gravier, j'ai dit, du sable, c'est là-bas. Donc le sable et la craie. Et on a du grout. Du grout. Que l'on va faire cuire avec de la stone. Tiens, hop, prends-toi un stack de plus. Hop, donc ok. Et donc on a ça et le Groot. Ok, donc ça c'est bon. On va également se refaire cuire un petit peu de bois là, parce que l'idée c'était de l'extraire pour en faire du rubber, mais on va s'en passer. D'ailleurs, il est en train de laisser tomber ses saplings. On va replanter une ici de sapling. Ici. Une là. Ouais. Pour le moment, voilà. Trois, ça ira. Ok, et on va pouvoir se faire la smelterie. Donc, on va voir les... qu'est-ce qui coûterait le moins cher on s'en fout. Ça on s'en cogne. Ok, donc il va nous falloir des Charlotte Break. Il nous faut aussi le tank. Le tank, il me semble qu'il faut du verre. Parce que là j'ai les briques, j'ai le contrôleur, j'ai le smelmery, mais il va me falloir également le tank. Voilà, Charit Tank, ok. Celui-là, il se fait comme le contrôleur, mais avec de la glace, il peut se faire avec de la glace vanilla, ce qui est nickel. Donc on va commencer par le contrôleur. Donc on va continuer avec le tank. Comme ça au moins on aura fait les deux plus lourds. Ok, il manquera un petit peu de verre, c'est trois fois rien. Ok, donc le tank, j'ai pas vu comment on faisait le smeltery, comment on faisait le drain. Oh oui, le drain est très simple à faire. Donc ça, ce sera le d'accord. Ensuite, il nous faudra donc simplement des charades, et il va nous falloir. Ah ouais, il va nous falloir également de quoi faire des lingots. Donc pour cela, il va nous falloir une table. Il me semble que c'est table en anglais aussi. La casting table, il me semble que c'est ça. Ah, il y en a deux. J'ai deux casting tables. Il me semble que c'est celle-là. Ouais, bah celle de la Sherid, ok, ça c'est simple. Des lingots de...
nous falloir un petit peu d'or. Ok, il frise un petit peu le... Ok, il va juste nous falloir un peu de verre. D'ailleurs, tu vas nous en faire un peu plus. Ça me paraît bien. Ouais, non, non, ça c'est de la sandstone, ça en plus je fais n'importe quoi. Non, bah, refais-nous du... Non, pas avec le wack. Avec le rubber. Ok, il est en bug total le four. Ok, c'est parce qu'il est en... Il est en bug. Allez, hop. Donc ça c'est bon. La pluie et le truc là, ça commence à devenir infernal. Je me demande si je vais pas passer la pluie justement. De toute façon ça sert à rien, hein. Ça sert à que dalle à part nous remettre de la neige et il fait nuit. Donc j'ai accès au truc ou pas? Ouais. Ah non, j'ai pas accès au weather. Maintenant, j'y ai accès. C'est clair. Voilà, je vous passe juste ça parce que ça va alourdir la vidéo comme c'est pas permis. Voilà. Et au moins on pourra un peu plus s'entendre. C'est juste pour des raisons pratiques. Attends. L'autre il a volé sur orbite. Pourquoi pas. Allez hop. Ensuite. J'ai entendu un squelette il me semble. Je vais juste augmenter un petit peu le son résultat. J'entends l'archer mais je le vois pas. J'ai augmenté un peu trop fort le son. Je vous rectifie ça tout de suite. 10% c'est bien. C'est largement suffisant, 10%. Moi je m'entends et j'entends le jeu. D'accord, ils sont là. J'attends juste que le zombie se ramène. Parce que lui il va me prendre en traître. Plus d'épée. Est-ce que j'ai de quoi me refaire une épée? Non. Bon. Ok, ils ont plus de, ils ont plus de charbon. Ils m'ont pas ramené grand chose en plus. Bon. Bon, avec la pelle, c'est toujours un peu plus efficace. Un grand classique, démolir un zombie à coup de pelle. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un peu de charbon. Allez, hop, on réquisitionne. Et on va se refaire un petit peu de... Enfin, comment, on va se refaire une... du...
Comment une épée, voilà, merci de l'avoir dit, merci de l'avoir hurlé derrière votre écran. Ok, on a du rubber bar. On va en faire cuire encore. Donc ça, ok, ça, ici, on a ça, on va le reprendre. Iron. Là-dedans, coffre à merdier, hop. Ça. Oh, j'y crois pas. Bah ouais, bah on a ce qu'il faut pour le truc, donc récipi. C'est ça qu'il me faut, c'est le récipi. Ça, je m'en fiche. Ouais, ok. Ouais, je suis au bout là. Ok. Admettons. Comment je fais le... Ok, bon, bah, le récipient, je sais pas. Puis j'ai pas envie de tout lire. La plupart, je sais que comment ça marche, mais depuis d'autres youtubeurs, donc. Donc voilà, donc. Hop, ça. Merci, je sais comment ça fait. Alors, ça, c'est ça qu'il me faut. Ok, donc ça s'obtient en recuisant. En recuisant donc. Bon, bon, on va remettre du colle et on va remettre des rubber bar. Voilà. Ok. Donc déjà on va voir ça. Est-ce qu'on va on va se faire également tant qu'on y est. Le planteur, on peut quand même se le faire. On aura au moins ça quoi. Alors pour le planteur, il nous faut le machine frame. Le machine frame, c'est pas très compliqué à créer. Celui-là. Il fallait que je sois dans la table de craft. Donc je disais donc le planteur, la machine frame. Celle-là. Ok, donc il va. Attendez, je réfléchis, hein. En même temps. S'il vous plaît. Première chose à faire déjà, c'est ça. Il y a de l'orage dehors, c'est cool, alors que j'ai remis le beau temps tout à l'heure. Bon, enfin bref. Ça parce que je vais me poser là-bas. Ça, je m'en fiche. Ça aussi. Ok. Ça, c'est bon. Ça, hop. Et donc, si je dis pas de bêtises, ça. Ok, ça va me donner ce qu'il me faut. Ensuite. Du verre, est-ce que j'en ai encore du verre? J'en ai encore, ça c'est bon signe. Ça, du... Oh, hop, et normalement j'ai tout pour me faire au moins la machine frame. Ok, il refuse de me la faire, je sais pas pourquoi. La machine frame, il me faut...
de l'or. C'est pour ça qu'il voulait pas, c'est parce qu'il me manquait de l'or. Ok. Ok, de toute façon, il va nous en falloir deux, parce qu'il va nous en falloir une pour le harvester également. Ok. Donc ça, c'est la machine frame. On l'a, il nous faut deux pistons. Deux pistons, pas bien compliqué. Tout ce qui me manque, c'est un peu de bois, un peu de redstone. Redstone. Bois. Cobble. Ça, je reprends. Hop. Hop. Ça. Deux pistons. Ensuite il va me falloir un pot et merde, j'ai plus de craie sur moi. Il va falloir que j'aille en rechercher dans l'océan. Bon donc un pot et des steel, bah en fait ah oui, puis il faut ici du copper. J'en ai du copper ou comment ça se passe? Me dis pas que j'ai pas de copper avec tout ce que j'ai chopé. Oh putain, j'ai pas de copper, j'y crois pas. J'ai pas de copper. Oh non. Oh non, tu te fous de moi. Bordel, j'ai miné pendant pratiquement une heure, même plus que ça. Bon. Ça s'obtient pas d'une manière à la moelle neuve, hein. Non. Non, copper or. Non, non, c'est un minerai. Et j'en ai pas trouvé. Ça doit pas se trouver dans les couches en profondeur alors. Je sais pas où ça se trouve. Dans quelle couche, mais bon. Bon, 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 bon. Bah voilà, que dire de plus. Ça avance, mais ça va être un petit peu long à faire en fait. Va y avoir de... Oh, c'est pas possible. Allez, dégage. L'agressive elle. Non. Bon, dans le doute, je te tue quand même. Allez, donne-moi tes fils. Là, je suis très mal. Une chance sur combien pour que je tombe là-dedans, moi? Bon. Allez. Ravitaillement, ravitaillement, ravitaillement.
Voilà. Ça nous donne quoi? On a du tin. On a du copper. Ok, on a du copper. Ça, c'est bon, ça. Coffre. Et c'est en prévision, quand l'autre sera plein, j'aurai qu'à mettre. Tiens, d'ailleurs, je vais le mettre. Voilà, je vais en mettre un ici. Et on sait que j'aurai qu'à mettre un truc ici quand sera bon. Bon. Deux copper. Bon, on va juste se refaire un petit peu de bois. Je vais voir pour en replanter un. Je coupe du bois avec du bois. Boisception. Bon. Ah oui, puis il va falloir que je retourne également dans l'océan. Et me prendre quelques points de dégâts. Oh, si ça va pas, ça fait une perte. Ok. Donc ça c'est bon. Donc je tourne, hein, je tourne, je regarde absolument pas où est la fin de l'épisode, comment ça se termine. Et je suis con, ouais. Je sais comment respirer sous l'eau. Technique de la torche. Ancestral de la torche.